On est jeudi 2, 3, jeudi 4 avril. Je suis enfin en Bretagne, d'où la lumière. Je venais vous montrer, j'ai fini mon pull. Du coup, c'est le songe dont je parlais depuis 3 mois. Mille Coloring Baby, il est fait aussi en broche alpaca de Drops. Il est bloqué, c'est bon. Il s'est vraiment rallongé au niveau des manches. Je pense que j'ai gagné 10 cm au niveau des manches. Super doux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, la couleur est pop. Je pense que je vais rajouter un élastique dans le col. Je le trouve super lâche. On voit le t-shirt en dessous, je trouve pas c'est très joli. À part ça, je viens vous présenter la suite du cardigan. Je viens de mettre les manches en attente. Du coup, j'ai bien fait une taille 3. Je tricote en 6 avec de la hand-balm. C'est celle-là. Autant leurs couleurs, j'adore. Je les trouve super saturées et tout. Mais ça gratte. Ça gratte fort. J'espère aussi que au blocage, ce sera un peu plus régulier. Pour l'instant, j'aime bien. Petit cardigan pour le printemps. Hier, j'ai commencé à faire mon pantalon aussi en couture. Normalement, j'ai inséré des plans où j'ai installé ma machine, j'ai réparé ma machine parce que j'avais fait des merdouilles avec le fil dans la canette. Donc ça, j'ai réparé. Et j'ai commencé à faire ça. En fait, j'ai repris un pantalon que j'avais commencé l'année dernière pour l'été. C'est un peu une toile parce que j'avais acheté du lin. Je voulais faire un pantalon plus clair que ça. Donc je vais mettre un élastique. Voilà, ce serait un petit pantalon large pour l'été. Mettre à mes pulls. Et voilà. Donc ça, à finir ce soir. Et je pense que... Donc demain, je vais chez le coiffeur. Et peut-être samedi, je vais faire le pantalon en lin. Comme ça, j'aurai ça avant de partir et de rentrer à Paris. Comme ça, je pourrais partir avec en Espagne. Fait 5 minutes que je parle et j'avais pas mis play. Bref. On dit toujours que c'est plus facile à faire la deuxième fois. On est samedi 6 avril. Je suis en Bretagne toujours. Il y a du vent. J'ai mal dormi. hier soir, j'avais dit que... Non, hier matin, j'avais dit que j'allais faire de la couture et du tricot dans l'après-midi. Je suis allée chez le coiffeur. Ça a pris plus de temps que prévu. Et je suis rentrée, j'étais crevée, je m'étais levée tôt et j'ai fait une sieste. Et le temps que je me réveille, il était déjà 18h et j'avais pas envie de me mettre à faire de la couture dans le noir ou du tricot dans le noir. J'ai quand même avancé sur le cardigan de 5 cm sous les manches. Je pense que ça va être super rapide à faire. Et sinon, à part ça, je pense que cet après-midi, je vais essayer de finir mon pantalon quand même. Ce serait bien que je l'aie. Et il faudrait que je commence à récupérer les mailles pour le projet de ma mère. J'ai pas envie. Quand c'est des projets qui sont pas à moi, j'ai pas envie de les faire. J'y vais reculons. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de trucs que pas pour moi. Mais vu qu'en fait, elle tricote à l'ancienne, elle tricote avec des aiguilles non circulaires. Donc elle peut pas tout ce qui est colle circulaire. Tout ce qui est récupérer les manches, là, c'est un projet de petite nit, il faut récupérer en fait tout le long, c'est sans manche, donc il te faut un grand fil et la passe, donc c'est moi qui vais le faire. Je pense que je vais le ramener à Paris au final et que je lui ramènerai dans 15 jours parce que je me vois pas faire ça
pendant 4 jours là non-stop, m'intéresse pas. Voilà, je vais faire les courses. Tout le monde, on est dimanche. J'ai enfin fini mon pantalon couture. Il est un peu cracra, hein. Franchement. Je me suis pas trop appliquée dessus. En même temps, c'était un truc que je voulais mettre. Je voulais un pantalon large que je puisse mettre sous mes pulls longs comme ça. Et en fait, du coup, je m'en fiche un peu de l'état de la bande élastique de la couture et tout. Parce qu'au final, ça va pas se voir sous tous mes t-shirts oversize et mes pulls oversize. Seul truc dont je suis déçue, c'est que mes coutures, j'ai dû les faire avec un fil rouge. Parce que j'avais plus de fil noir, je l'ai oublié à Paris. Et voilà. Du coup, maintenant que j'ai fini celui-ci, je peux passer au deuxième, qui est celui en lin clair. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant mercredi. J'espère que je vais avoir le temps. Et sinon, j'ai pas trop le temps d'avancer sur mon cardigan parce qu'au final j'arrête pas de faire des trucs. Mais j'ai avancé de ça sous la manche. Normalement je suis censée faire à peu près 50 cm. Donc il va plus me rester grand chose, je pense. On verra comment c'est. J'espère qu'il sera bien. Ça va, Jersey? Je sais que je parle beaucoup de couture et de tricot ici. J'aimerais bien parler un peu d'autre chose. Que ce soit plus des vlogs sur ma vie, sur mes passions. Pas que sur le tricot et la couture. Je sais qu'il y en a qui me suivent juste pour ça et c'est pour ça que je fais les podcasts. Bien sûr que je comprendrais que des gens qui écoutent les podcasts aient pas forcément envie de regarder mes vlogs. Maintenant, moi, je vais pas m'empêcher de poster des trucs qui me font plaisir parce que certaines personnes ne veulent pas les voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poster d'autres passions que j'ai, comme le dessin, la couture et tout ça. Et je vais rajouter en fait des time codes sous la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse pas ce que je raconte, vous pouvez passer au moment où je parle de tricot. Donc je parle de ça parce que je vais vous parler d'une autre passion, entre guillemets, que j'ai eu récemment. J'ai retrouvé chez mon père des objectifs photo argentiques qu'il avait dans les années 90. Malheureusement, il n'y avait pas le boîtier avec. J'ai 3 objectifs et un flash, mais j'ai pas de boîtier, donc je vais aller les chercher chez mon père cet après-midi. Et l'idéal, ce serait que quand je rentre à Paris, je puisse trouver une boutique qui soit un peu spécialisée là-dedans, que je puisse leur montrer les objectifs et leur demander ce qu'il me faut comme boîtier, avec quoi c'est compatible. Comme ça, j'aurais plus qu'à acheter ça et je pourrais m'entraîner. Sachant que je pars en Espagne le mois prochain et que je vais y passer un bon bout de temps. Et je me dis que ça va être la bonne période pour m'entraîner, pour faire des jolies photos, des petits villages, de la plage, de ma piscine, des maillots, tout ça. Des photos été que je pourrais imprimer, faire un album plus tard. Et voilà, tout simplement m'amuser avec tout ça. Et c'est tout pour moi. Je vais avancer sur mon cardigan et puis je vous retrouve plus tard. Thank you.
Je me suis dit que j'allais venir vous parler avec les cheveux naturels, mais. Non. J'ai décidé que non. Voilà. Je vais vous faire une mise. Faut que j'arrête de dire hum, j'arrive pas de dire hum. Je viens faire une mise à jour sur le pantalon que vous m'avez vu coudre. Juste avant, je suis en train de monter ma vidéo là, donc je vois que ça va être les plans qui sont juste avant là quand je parle. Attendez, je vais vous bouger pour que vous soyez un peu plus. Voilà, magie. On a l'impression que je suis dans un petit coin, une interview bien sur le tiers, tout ça. Bref, je raconte un peu tout. Je viens vous parler de mon pantalon que j'ai fini hier ou avant-hier. Je ne sais plus. On est mercredi et j'étais censée partir ce soir. J'étais persuadée que j'allais partir ce soir. Je me suis plantée complètement. Je pars demain. Donc j'ai un jour en plus en Bretagne. Et ce qu'on me voyait faire quand j'étais en train de me pencher par terre, en fait, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas mis dans le plan le tissu. En fait, j'étais en train de. J'ai en train de repasser, de découper mon tissu à la forme de mon pantalon. Qui ressemble à ça. En fait, le pantalon noir, c'était ce qu'on appelle une toile. Quoi. C'était mon truc pour m'entraîner un peu sur ce pantalon-là. Parce que c'est vraiment celui-ci que je voulais pour partir au soleil. Parce que j'en voulais un drapé hyper souple. J'avais cherché dans des boutiques en fait à Paris, H&M, Zara. Bon, déjà, j'aime pas acheter là-bas. De 1, je préfère acheter en fripe, mais que ce soit en fripe ou dans les boutiques de prêt-à-porter, en fait, je trouve pas ce que je veux en lin. À chaque fois, le lin, il est rigide, il est marqué. Moi, je le trouve rêche. Je voulais un lin super souple, donc je me suis dit qu'en fait, il valait mieux que j'aille acheter le lin que je voulais et que je me le fasse moi-même. Ça m'a pris vraiment 1h30. C'est pas parfait. Comme l'autre, c'est pour mettre sous des trucs oversize, donc. Je m'en fichais de l'état de la bande, elle est pas droite et tout. Mais c'est exactement le même, c'est pour ça que je le montre pas porté. Je pense qu'il est un tout petit peu plus serré. J'ai réussi à trouver une couleur de fil exactement comme la couleur du tissu, donc ça j'étais refaite. Et voilà. Donc ça c'est fait, la couture on arrête maintenant et on reprend le tricot. Vu que j'ai autant cousu, j'ai pas réussi à tricoter. En tout cas, j'ai pas eu la foi de tricoter. En fait, quand je finissais ma couture, j'avais qu'une envie, c'était de ranger et de faire autre chose. Et hier, j'ai avancé le cardigan. Moi, qui pensais le finir rapidement, pas du tout. Il ressemble à ça. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là, je pense. Voilà, donc là, je suis à ça. Je pense que ça va s'arrêter ici. Après, j'ai la bande de côte pour finir en bleu clair. J'ai un petit... Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais moi, j'aime bien tout ce qui est oversize et j'ai l'impression qu'il va être un peu serré. C'est pas grave, ça va me changer, mais... Je trouve pas très oversize. Mais c'est pas grave, ça va me changer. Je voulais un truc, je voulais un pull à la Cézanne, un peu cintré pour changer. Et ce sera très bien à mettre avec mon pantalon en lin ou avec des shorts en jeans d'été. Et voilà. À part ça, j'ai... Ah, mais si ! J'ai enfin trouvé mon appareil photo. J'ai passé 2 jours à surveiller le Mon Coin, eBay... Vinted, les comptes pro et tout pour trouver un boîtier d'argentique comme je voulais. J'ai contacté deux monsieur sur le Bon Coin qui me répondaient pas, mais qui me répondaient, qui n'étaient pas dispo, tout ça. Sachant que moi je pars en Espagne le 27 avril et que je voulais absolument mon boîtier avant de partir parce que je veux pouvoir prendre des photos là-bas et m'entraîner comme je racontais avant. Et du coup là j'ai enfin hier trouvé le boîtier de mes rêves qui en plus m'a coûté moins cher, donc c'est génial, je vais pouvoir acheter plein de pellicules et je devais aller le chercher demain, mais vu que je me suis plantée sur mon train, j'ai décalé à vendredi et à partir de vendredi j'aurai un boîtier et les objectifs
qui vont avec. En plus, j'ai un objectif. Alors, ça fait deux fois en plus, mais en plus, j'ai un objectif en plus de 35 mm que je n'avais pas. Donc, c'est parfait. Je vais continuer mon cardigan. Je vais aller manger des crêpes. Et je vous retrouve plus tard. Je sais pas si je finis le vlog cette semaine et je le poste cette semaine. Ou si j'accumule cette semaine-là avec la semaine d'après. Parce que je pense que la semaine d'après, je vais pas filmer grand-chose. Parce que je vais être de retour dans mon appart tout noir. Et je trouve pas ça beau. Sauf s'il fait beau et que je peux sortir au parc et vous faire des vidéos au parc. Mais si c'est pour être encore chez moi à regarder des séries, je vois pas trop l'intérêt. Ce week-end, je devrais ne pas être chez moi, donc peut-être. On verra. Voilà, je vous retrouve plus tard.